précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme, Alice. Je te remercie d'être venu avec moi. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'ont attaqué. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Chérie, c'est moi. Je suis là, mon ange. Ça a été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais te faire un café. Ça te réchaufferait. Salut, toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café, alors. Je vais en faire. Le café arrive. Oh, super. Merci. Tu vas en avoir besoin si je veux avoir fini pour demain. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Tu devrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, très cher. Très réussi. Ouais, enfin jusqu'à ce que Barry s'en mêle. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ce coup-ci. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. Oh, Alan! Alan! Va jeter un œil au fusible! Je suis là. M'en occupe, chérie. Dépêche-toi! C'est un adieu tardif. 13 ans après avoir pris ma revanche. Ça m'avait finalement rattrapé. J'avais souffert pendant longtemps. Mon sang teintait la neige d'eau rouge, une boue horrible, répandant les antalgiques qu'elle contenait et coulant doucement dans les égouts, se mêlant à la bile de la ville, ne faisant qu'une avec elle. Je les vois maintenant, ma femme et mon enfant. Chérie, je suis rentré. Chérie, c'est une panne de courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok, salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste que ça me fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok, Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça a empiré, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. C'est ça. Je te le donne. Alan. Peut-être qu'il t'aidera aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Tu viens d'inventer tout ça. Non. C'est sérieux. Allez, à vous. Je t'aime, Alan, même si tu mens. Je te remercie. Comment vous vous sentez, monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire. Il m'enverrait à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice.
Si vous le dites, vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelque temps. Merci. Bon, eh bien c'est terminé, Monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Vous pouvez y aller. Sarah, le shérif Breaker vous attend. Elle est très compétente. Je suis persuadé qu'elle retrouvera votre femme en un rien de temps. Le docteur Nelson était l'image même du médecin de campagne. Le shérif Breaker lui avait demandé de passer pour examiner ma blessure à la tête. Entrez, Monsieur Wade. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est THS. Elle est rechargée. Vous avez commencé à chercher ma femme ? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake ? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky ? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô ? Alan, j'ai besoin d'aide. Alice ? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Qui est-ce ? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour vous convaincre d'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi à Elderwood National Park. Il y a un endroit appelé le Horse Peak à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous avez l'œil. Monsieur Wake, je peux vous renseigner ? J'ai besoin d'air. Le shérif m'a dit de passer par derrière. Bien sûr, Monsieur Wake. Vous n'avez qu'à passer par le couloir des cellules. Ne faites pas attention à Walter en passant. C'est un de nos habitués. Je croyais qu'il avait arrêté l'alcool pour de bon. Oh, il faut croire que non. Il a pris une cuite et il a mis une belle dérouillée à Danny. Il n'a pas arrêté de hurler depuis qu'il est réveillé. Ouais, c'est Mulligan. Je suis à la station-service de Stucky avec Thornton. Aucun signe de lui. Terminé. Attends. Ouais, c'est Thornton. Bon, point faux, on a trouvé le char de la parade. Il est ici. C'est une bonne nouvelle, non? C'est Stucky qui était censé l'apporter aux répétitions aujourd'hui. Terminé. Ah, rends-moi ça. C'est Mulligan. On dirait que quelqu'un a fait des dégâts ici. Terminé. Ok, bien reçu, les gars. Continuez à chercher Stucky. Terminé. Je ne supporte plus d'être dans le noir! Allumez la lumière! S'il vous plaît! Hey! Ah, merci. Merci, mon frère. Vous êtes un type bien. Vous comprenez? Alors, laissez personne vous dire le contraire. Je vais vous dire. Je devrais même pas être ici. Et les flics sont à côté de la plaque. Vous voyez? Bon, d'accord. Je lui ai mis une raclée. Mais j'étais pas bourré. Enfin, j'étais pas bourré à ce moment-là. C'est seulement après que j'ai bu. Écoutez-moi bien attentivement. Le truc, c'est que c'était pas d'accord. Alors, ça lui ressemblait, c'est tout, mais... Vous voulez savoir qui c'était en vrai? C'était un putain d'extraterrestre! Mais je sais qu'on dirait une histoire d'ivrogne, mais... vous pouvez me croire, j'étais pas sous à ce moment-là. Mais son masque humain, il aurait été difficile de qualifier l'ombre noire d'intelligente, car cela revenait à attribuer des qualités humaines à une chose qui était loin de l'être. Cependant, elle parvint à trouver le seul coin assez sombre du restaurant. De la lumière filtrait dans le couloir, la dévorant, mais elle lutta contre la douleur atroce. L'écrivain réparerait bientôt cela,
il viendrait au dernier endroit où elle avait encore de la force. Oh, oh, oh. La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Eh bien, les amis, la nuit a été longue et il est temps pour moi de rendre un peu l'antenne. Oui, les bras de Morphée m'appellent moi aussi. Ah, oh, une dernière chose avant de partir. La nuit n'a pas été de tout repos pour les services du shérif. On nous a signalé des fenêtres cassées et même des coups de feu tirés dans la grand-rue. Les adjoints, Mulligan et Thornton, ont eu affaire à deux jeunes en état d'ébriété qui faisaient la fête après avoir terminé leur char pour la fête du Cerlon. Voyons les amis, c'est tous les ans le même refrain. Je sais qu'on a tous hâte d'y être, mais gardez votre énergie pour le jour J et rangez vos armes jusqu'au concours de tir. Compris? Allez, patience, la fête n'a pas encore commencé. Tira une nouvelle fois et l'ombre disparut dans les ténèbres d'où elle était venue. Vous voyez, c'est pas sorcier, Wake. La pensée d'Alice entre ses mains me révulsait. Nous étions sur la plateforme en bois de Lover's Peak, la chute d'eau et la montagne dans notre dos, les lumières rouges du relais radio clignotant dans les hauteurs. Je luttais contre l'envie de sauter, puis me forçais à parler. Arrêtez votre cinéma. Où est ma femme? Le permis de conduire d'Alice avait été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Barry! Al! Al, que sois-lui! Mais t'étais où, mon sang? Ça fait une semaine que j'essaie de vous joindre, Alice et toi. Je suis mort d'inquiétude. J'ai pris l'avion hier. Je suis ici à Brightfall. Barry, écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Al! Mais qu'est-ce que... Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. C'est parfait, ça. Je voulais juste régler les problèmes que les frères Anderson auraient pu causer par inadvertance lors de... Est-ce que vous vous sentez mieux, Monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter Est-ce de votre... Est-ce que vous m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emil Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme? J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation à plus d'une occasion. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invitée ici. Ma clinique est spécialisée en... Oh! Hey! Oh non! Arrêtez ça! Que personne ne bouge! Ôtez vos sales pattes de mon client! Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul. Il n'y a pas de mal, ça. Je vais bien. Je ne vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Barry. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire.
J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur à un endroit appelé Lover's Peak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al. Ça me plaît pas du tout. C'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Ça alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max, pauvre chou. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. C'est qui, Max? Quel idiote. Je sais, l'amabilité, c'est pas ton fort. Mais quand même, c'est pas de sa faute. C'est une fille très gentille et surtout, n'oublie pas, c'est une fan. Elle t'a même dédié un site de fan. Et elle m'a bien rendu service quand je te cherchais. Sérieusement, Al, tu te rends compte un peu de ce que tu dis? Écoute-toi parler. Quoi? T'as tiré sur un type et son corps a disparu? Ça fait combien de temps que t'as pas dormi? T'es défoncé? T'as bu ou quoi? Bon sang, écoute, Barry, j'ai oublié toute une semaine et quelqu'un a enlevé Alice. Non, mais et enfin, toute cette histoire... Tu vois pas l'impression que tu donnes quand tu dis des trucs pareils? En tout cas, c'est une bonne histoire. Ça pourrait faire un best-seller. Mais si tu commences à confondre fiction et réalité, tu vas atterrir dans un asile de dingue. Attends ici. Doucement, mon gars. C'est bientôt fini. Hé, hey, Rusty, c'est ça? Vous louez des chalets? Monsieur Wake, je vous serrerai bien la main, mais je peux pas trop, là. En fait, je suis vraiment désolé, mais... Vous pourriez aller chercher le formulaire d'inscription à l'accueil, juste en face de Charlie les dents longues. Ok, pas de problème. Pourquoi? T'es foutu, braconnier. Mon Max s'est pris la patte dans un piège. C'est illégal d'en poser ici, c'est même complètement interdit de chasser dans le parc. Mais ça n'arrête pas ces pourris. Oh, Max va s'en remettre, au moins. Il a eu de la chance. Max est encore sous l'effet du sédatif que je lui ai donné. Je préférerais ne pas le laisser seul. Le formulaire est sur le bureau, en face du squelette de mammouth. Allez, mon grand, c'est bientôt terminé. Sérieusement, Al, tu vas quand même pas aller voir un kidnappeur? Ce genre de plan, ça finit toujours mal. Écoute, il faut que t'en parles aux flics. C'est ma femme. C'est à moi de décider. On peut en parler plus tard? Non! Toute cette histoire... Écoute, t'as pris un coup sur la tête. Allez, c'est vrai, quoi. Al, reconnais que c'est une histoire de dingue. Si t'essaies de te payer ma tête, ou de me fiche la trouille, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on se marre? Bravo, t'as bien failli m'avoir. Très drôle, Al. Tu peux arrêter maintenant. Je crois que c'est ce que vous vouliez. Et voici les clés. Bon, tout est en ordre, Monsieur Wake. Ravi de vous avoir chez nous. Merci. Vous pouvez me dire comment aller à Lover's Peak? Bien sûr, c'est au bout du chemin de randonnée. Suivez le sentier et vous finirez par y arriver. C'est pas compliqué. Et c'est très joli en plus. Si vous avez du mal à le trouver, gardez l'œil sur le pylône. Il se trouve juste en dessous. Oh ouais, si jamais vous faites une balade en forêt, faites gaffe où vous mettez les pieds, pour pas finir comme Max. Ça m'inquiète un peu tout ça, on est sans nouvelles d'un groupe de campeurs. Ces gens font ce qu'ils veulent après tout, mais avec les pièges... Vous comprenez? On peut juste éviter les ennuis. Compris, merci. Bon sang, Al. Tu veux me faire croire que t'as tiré sur un mec et qu'il a disparu? Oh! Désintégré! Un type qui résistait aux balles jusqu'à ce que tu l'éclaires avec une lampe torche. Avec ce genre d'histoire tirée par les cheveux, c'est la camisole de force qui t'attend. Attaché à ton propre lit et enfermé dans une chambre, au mur capitonné. Bourré de pilules à longueur de journée.
Al, d'habitude, tu te moques des gens qui croient à ce genre de conneries. C'est toi le sceptique. Le mois dernier, tu m'as fait un topo de plus d'une heure sur l'homéopathie. Comment on dit déjà ? S'il n'y a pas de preuves, c'est que des conneries. Point final. Faut croire que j'avais tort. Al, bon sang ! Bon, d'accord. Très bien. Quelque chose de bizarre t'est peut-être arrivé, ok. Eh ben, merci du soutien en tout cas. Tout ce que je demande, c'est que tu m'aides à comprendre, monsieur best-seller. Et qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je peux pas te laisser partir en pleine nuit, avec un flingue ! Personne t'a demandé de venir, Barry. Soit t'es avec moi sur ce coup, soit tu rentres direct à New York. C'est toi qui vois. Tu délires complètement, Al. Al ! On devrait aller voir le shérif ou appeler le FBI. Merde, Barry, ils vont la tuer ! Je te demande pas ton avis, Barry. Je me rends à Loverspeak. Il m'a dit de venir seul. Ok, ok. Je te comprends. T'es mon meilleur ami et j'ai un peu peur que t'aies pété un plomb. Dis-moi comment je peux t'aider et je le ferai. Tu restes ici et si je suis pas là demain matin, appelle la cavalerie. Méfie-toi des gens du coin, Al. Ces bouseux sont dangereux. Tout le monde déteste les touristes. Sinon, ça va finir à la délivrance. À tes souhaits. Oh, cet endroit veut ma peau. Je te parie qu'il y a de la moisissure, des spores, des acariens, ou Dieu sait quoi encore. Ça vaut vraiment pas les 15% de commission. Je vais attendre ici, Al. Je vais garder le fort. Mais mon esprit t'accompagnera jusqu'au bout, Al. Allez, je ferme. Il ne s'était jamais entendu avec Alice, mais il savait qu'Alan l'aimait d'une passion presque inquiétante. Et voilà qu'il était arrivé quelque chose à Alice. Et Al, une arme au poing, racontait des trucs qui auraient envoyé d'autres malchanceux à l'asile. C'était comme si son ami avait traversé une énorme crise psychotique et qu'il était à présent totalement déconnecté de la réalité. Barry en était terrifié. Je savais que j'aurais dû prévenir la police. C'était pas très malin de ma part. Mais j'en voulais toujours à Barry d'avoir essayé de m'en dissuader. Ces gens n'avaient pas hésité à m'appeler quand j'étais dans le bureau du shérif. Ils n'avaient pas peur des flics. Et ils avaient Alice. Bienvenue à vous, chers auditeurs, et comme promis, notre bon docteur Nelson vient juste de me rejoindre en studio. Alors Doc, quel est votre programme pour la fête du cerf ? Mon programme ? Vous me prenez pour quelqu'un de plus organisé que je ne l'ai jamais été. Très bon. Je n'ai pas de programme. Je vais juste profiter pleinement de l'atmosphère. Vous savez, je suis un peu trop rouillé pour faire plus que ça de toute façon. Oh, à qui le dites-vous ? La course en sac se fera sans nous, pas vrai ? Exactement, Pat. Mais je vais assister à la parade, bien sûr. Et je ferai aussi partie du jury pour le concours de tarte. C'est vrai que cette activité demande un autre type d'effort. Ça oui, c'est pile dans mes cordes. Blague à part, Doc. Vous êtes plutôt en forme. Vous êtes un homme d'extérieur et je sais que vous aimez beaucoup la pêche. Et comment ? D'ailleurs, j'ai pris une jolie perche à grande bouche pas plus tard que ce matin. Mais vous n'allez pas participer au concours de pêche ? Non, non, pas cette année. En fait, Pat, je n'ai plus vraiment l'esprit de compétition.
Maintenant, je préfère prendre mon temps et en profiter. Et c'est pas drôle si je dois faire attention à ce que je pêche, vous comprenez? Étant donné votre palmarès, les participants de cette année sont sûrement ravis d'entendre ça. Et c'est gentil à vous de dire ça, Pat. Et le remède de la civilisation. Mais certains crimes sont impossibles à punir, surtout dans la zone X. L'épisode de ce soir, l'homme dans le miroir. Il est là-dedans, monsieur. C'est un cinglé. Vous avouez avoir tué cet homme, hein? Pourquoi? Il le méritait. Oui, mais pourquoi faire ça? Enfin, vous êtes un type bien, normal. Vous avez emmené votre fils au foot, et là, pendant le match, vous attrapez un type pour, je cite le rapport de l'agent qui vous a arrêté, porter des coups dans la tête de la victime à de multiples reprises, et ce, à main nue. Hein? Pas en jette, pas vrai? Vous n'êtes peut-être pas un littéraire. Bon, donc vous le frappez. Pourquoi? Qui était ce type? On n'a pas pu l'identifier. Pourquoi un gars comme vous ferait une chose pareille? Sa tête ne me revenait pas. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que vous y êtes pas les mains mortes. C'est dingue, on connaît même plus ce type. Et pas de pièce d'identité. Ça doit être difficile. Alors on a analysé ses empreintes. Et on a trouvé. Les vôtres. Les mêmes. Ah, et ben ça alors. Votre fils dit que vous portiez une chemise blanche en allant au match. C'est le mort qui porte la blanche. Elle est toute rouge maintenant. Vous en tirerez pas comme ça. Non mais vous croyez franchement que je me préoccupe de tout ça? J'ai eu le temps de parler avec mon fils avant que les flics débarquent, vous savez. Il n'arrête pas de hurler, pas vrai? Vous pensez qu'il va s'en remettre un jour? J'ai laissé mon empreinte. Vous pouvez pas. Vous, espèce de salaud. Quoi? Vous allez me tirer dessus? Ça servira à quoi? Je vais aller en prison. Vous m'avez chopé. Je comprends plus rien du tout. Et vous ne comprendrez jamais. C'est pas grave. On se reverra plus tard, mais c'est peut-être. Peut-être dans le miroir. Je savais que Rusty était amoureux d'elle. Elle l'aimait bien aussi, elle l'aimait beaucoup. Il lui avait appris à danser, et si la vie lui avait enseigné une chose, c'était d'apprécier la gentillesse chez un homme. Il la traitait avec respect, la faisait rire, la rendait heureuse. Toutefois, Rusty n'était pas le prince de ses rêves, et cela ne faisait que souligner la terrible vérité.
elle non plus n'avait rien d'une princesse. L'office de tourisme était saturé d'une odeur immonde, comme si une chose rongée par la nourriture était sortie de sa tombe. Rusty crachait du sang. Mon regard fut attiré par la courbure de sa jambe cassée. L'attaque avait été pernicieuse. Max gémissait dans sa cage. Les yeux de Rusty étaient remplis de fièvre et de terreur. Il murmura : Monsieur Wake, tout s'est passé exactement comme sur la page. C'est passé exactement comme sur la page que j'ai trouvé la même chose. Cette ombre si noire, elle va venir me tuer. Il faut la lumière dans le bureau. J'ai la clé. Ok, Rusty. Tenez bon, je reviens tout de suite. La chose qui avait fait ça ne devait pas être loin. Rusty avait trouvé une page du manuscrit. Ça m'aiderait à comprendre ce qui s'était passé. La seule façon de m'assurer que Rusty allait bien était de rétablir l'électricité et de rallumer la lumière. Du tourisme était solide, mais l'impact avait démoli l'avant du bâtiment. Rusty fut balancé à travers l'accueil comme une poupée de chiffon et heurta le mur du fond. Il n'eut pas mal jusqu'à ce qu'il bouge, voit sa jambe pliée avec un drôle d'angle et sente sa côte cassée le poignardé. Rusty hurla de douleur et de peur, redoutant soudain de mourir tout seul. Dernier moment, je changeai de direction et me jetai à terre. La hache vint exploser un tronc d'arbre. Je titubai jusqu'à la mare de lumière vive, les poumons en feu. J'étais trop épuisé pour pouvoir bouger. Je me crispai en attendant le coup fatal, mais il ne vint jamais. Je levai la tête, rien ne bougeait dans les ténèbres. Pour l'instant, nimbé d'une lumière froide, je ne craignais rien. Impossible de rétablir le courant. Rusty ! Rusty ! Animaux. Seules les visions de rayons HP1 permis sont autorisées à pêcher dans le parc. Respectez. Rusty, non. N'approchez jamais d'une idée.
C'est un autre animal sauvage. Oublie ça, Barry. C'est juste moi qui délire. Oh, bon sang. Bon sang. Tu délires pas. J'aimerais bien que tu délires, mais tu délires pas. Al, sois prudent. Reste dans le chalet. N'ouvre la porte à personne. Je suis sérieux. Ce dernier moment de conscience, Rusty pensait à Rose. Il était plus vieux qu'elle. Rose sortait à peine de l'adolescence. Mais elle le faisait se sentir jeune et oublier le naufrage qu'avait été son mariage. Il portait encore son alliance. Il avait attendu qu'elle lui demande de l'enlever. Maintenant, elle ne le ferait jamais. Lover's Peak se trouvait tout au bout du sentier de randonnée.
retourné au coin, anxieux à l'idée de découvrir ce que la lampe torche révélerait. Soudain, une lampe torche peinte grossièrement apparut dans la lumière. Derrière, près d'un rocher, un vieux coffre en métal. Il n'était pas là par hasard, rempli de matériel, des piles, des feux à main, des munitions, tout le nécessaire pour résister aux ténèbres de la nuit. Un trésor laissé par quelqu'un qui savait ce que je savais, et plus encore. Fellow Easter.